Et c'est un événement qui rassemble plus de 200 millions de téléspectateurs. L'Eurovision, 26 pays sont qualifiés pour la grande finale ce soir. Et parmi les favoris des bookmakers, l'Italien Francesco Gabani, son portrait par Alexandre Allais et Marc-Henri Maisonhout. Il est arrivé à Kiev sûr de lui, fier de représenter l'Italie. À 34 ans, Francesco Gabani est donné gagnant par les parieurs et par les fans de l'Eurovision. Occidentalis Karma se moque des Occidentaux qui imitent la culture asiatique. Sa chanson bat des records de popularité. Elle a dépassé les 100 millions de vues en seulement 10 semaines. Les Italiens adorent. Ma mère en est folle, ma grand-mère aussi. Ça plaît à tous. C'est une belle chanson, joyeuse, agréable. Elle met de bonne humeur pour toute la journée. Francesco Gabani s'est fait connaître il y a un an en remportant le Festival de musique de San Remo, une consécration dans la péninsule. S'il gagne aujourd'hui, il sera le troisième Italien de l'histoire à triompher à l'Eurovision. Ce soir, avec son gorille déjanté, il enflammera la piste de Kiev. Tout un pays veut croire en son bon karma.